Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi, avec ce soleil. J'ai galéré pour faire le cadrage d'ailleurs de cette vidéo parce que d'habitude j'évite ce lampadaire moche. Mais là, si je cadre plus vers là, il y a un halo de lumière, on ne voit plus rien. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Et je suis super contente de vous retrouver pour mes réalisations du mois de février. Un mois assez court, j'ai eu des vacances, mais finalement, j'ai préféré profiter de ce beau temps et j'ai pas réalisé grand-chose de couture et un tricot. Donc je sais, celles qui n'aiment pas le tricot, patati patata, vous regarderez le chapitrage dans la barre d'infos et peut-être que si j'y pense, je mettrai également sur l'écran, comme ça vous pourrez zapper cette partie si ça ne vous intéresse pas. Et j'ai un encours tricot dont je vous parlerai tout à l'heure. Là, je vais commencer par la partie couture. Et avant tout ça, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je vous le dis pas tout de suite parce que c'est une de mes cousettes. La deuxième est là. Et quel temps, je vous l'ai dit. Vous le voyez peut-être là, mais ça fait blanc. Mais en vrai, le ciel, il est grave bleu. Là, il est 18h, mais il fait grand beau. Et je suis toute excitée parce que là, je viens de faire les photos. Et j'ai même pris des petites vidéos portées pour cette fois-ci. J'ai fait l'effort, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'est parti. On commence par cette magnifique robe. Je ne me lève pas puisque je vous mettrai des petites photos et la petite vidéo ici. Il s'agit de, on va dire, un mix de patrons. Je suis partie de la base du pull socks, qui est donc en ce moment en défi challenge couture sur Instagram. C'est tous en socks, socks pour girls, etc. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est pour girls parce que c'est pour moi. Et j'ai mixé, donc je l'ai fait en robe, mais comme je vous ai dit, vous verrez tout ça là. Je l'ai mixé avec le t-shirt Briac du livre Coudre le Stretch, parce que je m'étais fait à l'époque une robe moulante. Si vous me suivez depuis un moment, c'était la robe poilue vert sapin, là. C'était ma robe de Noël que j'avais fait en col un peu bateau et vraiment moulante de chez Moulante. Donc si je pense, pareil, j'essaierai de vous remettre une photo de l'époque de mon Instagram, mais enfin si vous déroulez, vous cherchez une robe moulante verte à poilue comme les mailles poilues de chez Dries & Stoffen. Celle-là, elle venait de Bimerserine. Mais voilà, donc en gros, vous prenez cette robe moulante, vous prenez le pull socks, vous combinez les deux, tadaan, et je kiffe. Alors, je l'ai réalisé dans un jacquard jersey à numéro, donc je vous le donne pas, que j'avais acheté en juin 2022, donc finalement, c'était pas si tard, c'était même une de mes dernières commandes, parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai pas fait de haul tissu depuis un moment. Oui. Je m'auto-félicite, il faut le faire de temps en temps, n'est-ce pas? Donc j'avais commandé 1m80 à 2,50€ du mètre, ce qui me fait un total de 4,50€. Et pourquoi? Au départ, je comptais me faire une robe Laura là-dedans. Finalement, j'ai trouvé que la maille était peut-être un peu trop molle et extensible, et que ça n'irait peut-être pas au, comment on va dire, au patron de la robe Laura, qui je trouve marche peut-être bien mieux en Milano et autres. Et celle-là, ouais, bon bref, en tout cas dans ce patron, enfin ce mix de patrons, je suis amoureuse, voilà. Je me sens sexy girl, je sais pas comment dire, je me sens femme, mais je me sens belle, mais belle, ouah, voilà, même les kilos en trop, walou, je m'en fous. Donc, je l'ai réalisé en taille 48 à 52. Je m'explique. Pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez vu, j'avais fait le pull socks dans des chutes de jogging et d'alpenfleece. Et je crois que je l'avais fait en 50. Maintenant, j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Je l'avais fait en 50, sauf que je trouvais qu'ici, ça tombait un chouille trop sur mes épaules. Pas de beaucoup, mais un petit peu, je trouvais que ça gênait. Donc du coup, il y avait un peu trop d'ampleur sur la partie au-dessus de la poitrine, là. Et par contre, au niveau des bras, là, je trouvais que j'étais trop serrée sur cette partie. Là, ça allait, évidemment, parce que j'avais fait en plus manche froncée.
Donc là ça allait à peu près, mais c'est cette partie du milieu là, team gros bras, ça passait pas. Donc j'ai fait 48 pour que ça tombe bien au niveau des épaules. Vous le voyez, j'ai fait la petite option pâte de boutonnage. Je suis très fan, tout comme Sonia de See You Later. Je te fais un bisou, ma belle. Je fais d'ailleurs aussi un gros bisou à Flo de Mali N'arrête plus de coudre, qui elle a fait des socks aussi en veux-tu en voilà dans toutes les versions. Évidemment, je salue les filles aussi à Plate Couture et Sweet Bobine, même si on ne se connaît pas vraiment. Mais je vous fais un petit coucou et à Claire de Patron Moi Je Couds, parce que pour le coup, je suis trop contente qu'elle ait augmenté sa gamme de taille, parce que je vous l'ai dit au début, j'avais déjà repéré ce patron, malheureusement, qui allait à l'époque que jusqu'au 46. Donc moi, je ne rentrais pas dans le tableau des tailles. Maintenant, ça va jusqu'au 52, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Et en plus, ça va donc. Femmes, enfants, garçons, filles, il y avait le patron, le pack à 2 euros pour toute la famille, autant dire que voilà, c'était cadeau. Donc je suis trop contente d'avoir cédé à la tentation. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Donc, oui, 48, on a dit ici. Donc comme ça, mes manches commencent au 48, mais j'ai gradé, comment on va dire? J'ai fait un petit peu, hop, j'ai fait un dessin. Je vais vous montrer mon dessin moche, mais c'est pas grave. Comme ça, ce sera plus parlant. Ici, vous voyez, alors je ne sais même plus où regarder. Là. Là, je suis en 48. Bim, j'ai tiré comme ça. Et crac, j'ai rattrapé le 52. Oui, c'est un peu barbare. C'est vraiment, sur mon patron, ça fait vraiment quasiment comme ça. Mais est-ce que vous voyez cet effet de pointe sur mes bras? Non. Voilà. C'est de la maille. Et. À vrai dire, quand on coupe après, même quand on coud, ça fait pas pim-poum, quoi. Bref, vous m'avez compris. Un petit truc aussi sur ma robe moulante de l'époque. C'était un petit peu plus creusé là, mais comme j'ai un petit peu pris du bidon, j'ai été un peu plus souple. Hein, là, j'ai laissé un peu. Enfin, j'ai. Je sais pas si on voit, mais voilà. J'ai décreusé un peu, on va dire ça comme ça. Mais j'ai gardé cette forme un peu. Très moulante sur le corps et que là j'assume complètement. Autant un pull, bof, mais là vu que c'est une robe moulante, ben c'est une robe moulante et puis c'est tout, on montre ses attributs dans tous les sens et voilà. Que vous dire d'autre? Donc j'ai dit ça, ah oui, pour les manches, j'ai fait donc la coupe là où ils disent, enfin là où Claire dit de couper pour mettre après la bande de poignet là. Bon, alors je ne sais pas si c'est le fait que mon tissu, voilà, s'étire ou quoi, mais vous voyez, il manque un petit bout là. J'ai tendance à tirer dessus, enfin j'ai tendance. Je viens de la coudre, donc je ne l'ai pas vraiment portée, mais j'ai bien vu pendant les essayages ou autres, j'ai envie de tirer dessus. Donc, à refaire sur cette version-là que je vous présente après, j'ai fait autrement. Voilà. Que vous dire d'autre? Si, en plus, cette robe me tient encore plus à cœur. Parce que ces boutons, ce sont des boutons de récup de ma grand-mère. C'est-à-dire que bah, voilà, j'ai perdu ma grand-mère en fin d'année dernière. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu. Et je n'avais pas encore touché les affaires couture dont j'ai hérité. Enfin, en gros, j'ai demandé si je pouvais récupérer ses affaires et sa machine à coudre, qui est trop belle, mais que je n'ai pas encore, pareil, touché pour essayer de remettre le. Parce qu'il fallait changer la courroie, enfin le. Ouais, je ne sais même pas si on dit courroie, mais bref, vous m'aurez compris, une vieille singère des années, je sais pas, 40, 50, 30. Bref, une vieille machine. Mais bon, bref, quand ce sera son moment, pardon, je m'en occuperai, je la bichonnerai, s'il faut, je l'emmènerai à réparer, voilà, pour lui donner une seconde vie. Mais pour l'instant, voilà, je la laisse là. J'ai aussi besoin de faire mon deuil, on va dire, donc voilà. Et bah là, pendant les vacances, j'en ai profité pour enfin mettre le nez dans ces petites affaires et notamment trier ces boutons. Alors, au départ, ça partait d'une boîte qui paye pas de mine et je pensais pas trouver autant de trésors. Mais je suis trop contente, j'ai pris mon temps pour classer tout par couleur, tout renettoyer, tout reclasser par série pour mettre tout ensemble. Si je pense, je vous mettrai peut-être des petites photos. J'ai acheté des petites boîtes chez Action. Que tout le monde connaît, hein, les petites boîtes à compartiments qui se vendent par 3 ou 4, j'ai un doute. Et donc j'ai retrié tout ça. Ces petits boutons, enfin, petits, ils sont un peu gros, hein, je ne sais pas si vous voyez, c'est sur. Comment on appelle ça?
sur un petit pied là, je sais pas comment on dit. Ils étaient normalement, je dirais un peu, je pense, transparents avec une couleur un peu marron-orangé qui devait être un peu brillante, transparente. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils étaient tout rayés. Et j'ai pas réussi à les récupérer, mais bon, je me suis dit c'est bien dommage, ils sont vraiment chouettes. Et là, avec cette robe, j'ai cherché dans mes... Voilà, en fait, c'est ça. Je reviens en arrière. L'histoire de mon tri de boutons, parce que je me sentais pas encore prête, en fait, c'est que j'ai cherché dans mes boutons à moi quelque chose pour aller avec ma robe. Et j'ai rien trouvé. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion de regarder ce que t'as récupéré et de passer le cap et d'y aller. Et donc, j'ai trouvé ces boutons. Sauf que, donc la forme, je me suis dit, oh, ça, c'est dommage qu'il soit abîmé, qu'il soit pas complètement noir ou complètement argent ou je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, bah, t'es trop bête, t'as des vernis à ongles, à plus savoir qu'en faire. Tu prends un blanc nacré, donc, bon, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu blanc argenté, mais en vrai, c'est un blanc nacré. Après, je suis allée dehors, j'ai bombé tout ça avec du vernis, bah, en bombe, quoi. Et voilà, tadam, comme ça, ils sont nickel. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais moi je trouve que ça va superbement bien. Et comme ça, j'ai un petit souvenir avec moi. Donc, c'est encore plus ma robe chouchou. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire ? Comme prévu dans le patron, ici on recoupe 1 cm le col. Dans le doute, j'ai recalculé moi-même la bande par rapport à ce qui est dans le patron. Enfin, j'ai gardé la même largeur, mais la longueur, on va dire, de la bande d'encolure, je l'ai recalculée moi-même. Mais vous voyez, j'aurais pu faire un peu mieux. Comme c'est un peu quand même plus élastique, pour que ça se plaque un peu plus, j'aurais dû couper un peu plus court. Mais j'ai eu un doute à un moment donné, j'ai fait j'ai peur que si ça tire trop, ça. Comment on va dire ? On voit le tissu trop étiré, que ça fasse pas beau. Donc c'est pas grave. En même temps, est-ce que c'est vraiment moche? Non, je pense pas. Moi, je l'adore. Donc voilà, voilà. Si vous l'avez pas bien compris depuis les 10 minutes que je cause. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, ma version robe moulante comme ma version briac, ça c'est dit. Manche normale, oui. Donc cette fois-ci, j'ai pas fait les manches froncées, j'ai fait les manches normales avec bande de poignet. Mais comme je vous dis, manque un petit bout, donc... si je refais, il faudra que je rallonge. Col bas, oui. Les deux pattes de boutonnage, oui. Et j'ai fait une bande d'ourlet. Bah là, je vous dis, vous allez le voir sur les photos. Ça, c'est... Bah si, j'avais fait ça sur ma robe briac. Donc, j'ai fait à peu près pareil. Hein. J'ai coupé la robe à une certaine longueur. Et après, j'ai fait comme une bande de suite. Pareil, dans le même tissu. Et voilà. Et bien, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je crois que c'est tout. Grader les manches, oui. Oui. Ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vais quand même causer 10 minutes dessus. Mais vraiment, je vous mettrai donc le petit défilé porté, là, pour que vous voyez là. Comment je me sens comme une bombe atomique. Bref, donc pas grand-chose à dire d'autre que je kiffe. Donc, on va passer... à la deuxième robe, puisque je me suis dit tant qu'à faire, autant faire une autre, mais cette fois-ci, je voulais essayer de partir plus sur la version comme Sonia de Sew You Later, qui a fait une version jupe patineuse. Sauf que elle et moi, nous n'avons pas tout à fait la même taille mannequin, n'est-ce pas ? Et quand j'ai essayé de faire la même technique qu'elle pour faire une robe patineuse, je bois un petit coup parce que hein, ça fait soif tout ça. Quand j'ai fait mes petits calculs, je me suis aperçue que moi, avec ma taille pas mannequin du tout, ou mannequin grande taille plutôt, eh bien, ça plus la longueur que je voulais, bah ça rentrait pas dans la laisse. Enfin, en gros, le tissu plié, si vous voulez, moi j'avais besoin de 98 ou je sais plus combien de centimètres, bref. Sauf que quand le tissu il est plié en deux, j'ai quoi, 74 et encore à l'arrache, sachant qu'il y a la laisse, quoi. Enfin, souvent vous avez un ou deux centimètres, pas terrible. Là en l'occurrence, moi sur ce tissu, pardon, j'avais des bouts qui étaient pas qu'on pouvait pas récupérer, quoi. Bref, donc
Et ben, je me suis dit qu'il allait falloir faire autrement. Je vais y arriver. Alors, je l'attrape. Ça aurait été mieux que je mette le mannequin, mais à vrai dire, là, je me suis décidée un peu à l'arrache pour faire cette vidéo. Normalement, je voulais juste faire les photos et vidéos portées. Et je me suis dit, il fait super beau, profitons de cette lumière sans que j'ai le soleil qui me tape directement dessus et que d'un coup j'ai super chaud, même si là j'ai super chaud. Mais bon, bref, je me suis dit que j'allais profiter de faire cette partie couture et à un autre moment la partie tricot et qu'après, paf, le montage ferait que je ferai une seule vidéo puisque là, comme je vous dis pour février, j'ai pas fait grand chose donc j'aurais pas tant que ça à raconter, mais bon, comme ça, ça vous fera une petite vidéo entre deux. Hein. Alors, pour cette version, comme je vous l'ai dit, cette fois, je voulais la version avec une jupe un peu plus large, alors pas qui tourne spécialement, mais pas moulante comme celle-là. Donc cette fois, j'ai encore fait un mix de patrons, toujours le pull socks de patron moi je coupe, et cette fois, je l'ai combiné avec ma petite robe chouchou, la robe Mia de l'usine à bulles. Cette fois, j'ai récupéré donc la jupe de la robe Mia. Pareil, je vais vous expliquer un petit peu mes modifs. Déjà, je vais vous parler du tissu. Alors, je vous le montre comme ceci, comme cela. Ouais, vous voyez bien les motifs. Je sais pas. Moi, j'ai mis genre un croisement entre pied de poule, pied de coq et chevron. Voilà. Je saurais pas trop dire. C'est fond noir. Et là où c'est un peu plus clair, c'est gris anthracite chiné, quoi. Ok. Ici, des boutons de récup de mon stock à moi. C'est des boutons gris bleuté un peu. On voit plus gris là, mais il y a un léger fond bleu dedans que j'avais récupéré d'un gilet. Ça m'avait pris. Je crois que c'était la Toussaint de l'année dernière. J'ai fait un gros tri dans mon dressing en disant, allez, tous les trucs que je mets pas et puis qui, en gros, les gilets tout boulochés que vous gardez pour traîner, mais au bout d'un moment, vous n'avez pas besoin de 15 gilets pour traîner. Et en l'occurrence, celui-là, bah, il servait pas. Je le mettais pas même pour traîner. Donc j'ai dit, allez hop, ça dégage, mais je récupère toute la mercerie que je peux. Donc voilà. Donc, que vous dire? Le tissu, oui. J'en étais là, tissu, Punta Jersey à numéro également, de chez Driessenstoffen. Tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas dit, mais bien sûr, c'était Driessenstoffen aussi, que j'ai commandé en décembre 2020. Donc, on va dire dans mes premières commandes, peut-être la deux ou troisième, parce que j'ai commencé à coudre en mai 2020, et j'ai dû commencer ma première commande de Driessen, doit être du mois d'août. Donc j'ai peut-être fait genre une en août, une en septembre et une en décembre. Ouais, deux ou troisième commande, on va dire. Donc ça date, mais je suis contente. Pendant longtemps, je m'étais dit que j'en ferais sûrement un gilet de ce tissu. Et j'hésitais lequel gilet, etc. Voilà. À un moment, je m'étais même dit, j'avais trouvé un patron de gilet réversible. Et je le trouvais chouette, mais je me disais, qu'est-ce que je vais mettre de l'autre côté ? Donc bref, je me suis dit que j'allais attendre, on verrait bien. Mais là, je me suis dit, je vais faire un peu comme Sonia, j'aurai ma petite robe noire qui passe partout, qui tourne, bon bah là elle tourne pas vraiment, mais bref. Et donc, pareil, la même modif que tout à l'heure, taille 48 sur la partie comme ça là. Mais tout à l'heure quand je disais 52, oui c'est que les manches, parce que la robe moulante là c'est 48 de haut en bas, c'est que la partie manche que j'ai élargie. Celle-là, du coup j'ai un doute. Non c'est ça. Le haut j'ai fait 48, donc il y a une coupe ici là, que j'ai fait moi, parce qu'elle n'est pas existante sur le patron. J'ai fait 4 cm sous le trait de la coupe pour le pull crop. 4 cm pourquoi? Parce que je voulais que ça tombe 3 cm en dessous, mais j'ai pris 1 cm de marge de couture pour pouvoir raccrocher la jupe. Donc la jupe, j'ai pris la jupe de la robe Mia, vraiment telle qu'elle, c'est-à-dire que je l'ai posée sur la bâche parce que j'ai voulu refaire quand même une modif. Sachant que sur mon patron, comment je vais vous montrer ça? Rebelote, petit dessin. Ah, elle est dehors. Donc, Chiara vous fait un petit coucou. Alors, ici,
voyez, donc sous le trait, non pas sous le trait, là où il y a le trait noir, c'est là où les deux parties sont attachées. Et le rouge, c'est le 1 cm de couture. Donc j'ai mesuré la largeur là de mon trait noir, ça me faisait 26, je crois, 26,5. 26,5. Et sur le haut de ma jupe Mia, qui est là, ici j'avais que 24, je crois. 24, ouais. Donc j'ai étiré comme ça de 3 cm, du coup ça faisait 27 au lieu de 26,5. J'ai fait un trait au-dessus pour les 1 cm de marge. Ici, comme je voulais essayer d'aller au plus loin que je pouvais, j'ai rajouté 4 cm en bas, comme ça, pareil en prolongeant. Et j'ai tiré de ce point-là à celui-là pour avoir, on va dire, l'ampleur jupe au max que je pouvais sur mon coupon, sachant que j'ai fait ça sur les deux tiers du tissu et sur l'autre partie, j'ai posé mes manches. Parce que j'avais quand même que, je ne l'ai pas dit, mais en gros, 1,90 m, 2 m de ce tissu. À 4 euros du mètre. Donc, ce qui me fait une robe à 8 euros, puisqu'en plus, mes boutons, c'est des boutons de récup. Et d'ailleurs, l'autre, j'ai pas dit. Oui, celle-là, 4,50 euros, puisque les boutons, c'est aussi des boutons de récup. Donc, voilà. Je fais mon dressing. J'ai deux robes pour 12,50 euros. Voilà. J'en ai peut-être pour plus cher en fil. Mais non, en même temps, c'est les cônes de fil Lidl, parce que c'est tout assemblé à la surjeteuse. Hein. Le seul fil que j'ai fait, c'est pour... C'est d'ailleurs des fils, vous savez, quand je change le fil de ma machine à coudre, évidemment je coupe en haut, je tire par en bas, puisque j'ai bien appris la leçon depuis mes débuts qu'il ne faut pas retirer le fil par le haut, puisque ça joue sur les tenseurs, enfin je crois que c'est ça le nom, bref, sur la plaque de tension, vous aurez trouvé, hein. Vous voyez de quoi je parle, bref, du coup tous ces bouts de tissu, de fil, j'ai un petit pot et je mets tous ces restes de fil. Donc c'est avec ça que j'ai cousu mes boutons. Il n'y a que là, par contre, j'ai cousu mes boutons à la machine à coudre parce qu'elle fait ça très bien toute seule. Et là, pour le coup, j'ai mis du fil de bobine et de canette. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette robe, tic tac tac. Donc le tissu, j'ai dit. Les boutons, j'ai dit. Le fait que c'est un hack, je l'ai dit. Ah oui, si, donc j'avais fait la même longueur de jupe que sur la Mia, mais je pense que la Mia, je dois avoir, enfin la jonction ici peut-être, elle doit être plus haute, c'est peut-être ça. Donc au final, j'ai recoupé 2,5 cm sur la longueur là, parce que sinon ça faisait limite en dessous. Sous les genoux ou sur les genoux, mais je trouvais que ça faisait un peu tristoun, enfin ça m'allait pas quoi, je trouvais que ça faisait vraiment trop long, pas très ouais, pas mormon non plus, mais bon c'était pas très heureux, donc je trouvais que 2,5 cm tout de suite ça lui donnait un peu plus de charme, on voyait un peu plus de jambes quoi, on va dire ça. Sinon bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Ah si, cette fois pour les manches, voilà, quand même, que je dise les modifs. Donc les manches, cette fois, j'ai pas fait de bande de poignet comme ici, j'ai fait, j'ai pris le patron de la manche qui va jusqu'au bout, quoi. Sauf que je me suis dit que ça allait être encore un peu juste, donc j'ai rallongé de 4 cm. J'ai rallongé de 4 cm et j'ai fait ma bonne élève, là encore, j'ai fait comme les pros, c'est-à-dire plutôt que de tirer comme ça... tout droit en biais pour que ça affine ici, j'ai fait comme sur les patrons, vous savez, où on repart en biais dans l'autre sens, puisqu'en fait j'ai posé le patron dans l'autre sens pour avoir vraiment, j'ai si vous voulez pris le haut du patron ici, je l'ai mis dans l'autre sens à l'envers là, pour être sûr d'avoir ce trait dans la continuité du patron, comme ça quand on replie le retour de la manche quoi, et eh ben ça tombe bien. J'ai fait un repli de, je ne sais même plus, la longueur d'une pince prime, là, les pinces cam, pas pince cam, les pinces clip, je vais y arriver.
Je sais pas si vous voyez, voilà. Ça fait à peu près 2 cm peut-être. Donc c'est logique, oui, c'est ça. 4, 2, plus 4 et repli de 2. J'ai fait en couture ici le point que vous ne verrez pas. Zigzag triple, mais... Ah si, peut-être là, vous devinez peut-être un genre de zigzag là. Oui, ma petite Chiara. Je suis désolée les amis, je vais vous mettre sur pause parce qu'il faut que je rentre mon fauve qui pleure à la baie vitrée là. Ah, ah, oui, j'arrive. Aïe, j'ai rentré mon fauve. Elle fait ah, ah. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Si, que j'avais fait du point triple, triple zigzag. Oui, du coup tu viens me voir. Et puis donc, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Là, cette fois-ci, vous verrez qu'ici, c'est très bien plaqué. Donc, pareil, hein, j'ai retiré les 1 cm à la recoupe ici. Et j'ai calculé la bande. Et cette fois, bah, de toute façon, ça se voit direct ici. Elle est très bien plaquée. Donc, ma manche normale. Donc, pas de fronce ici. Allongée de 4 cm. 2 pattes de boutonnage. Bouton de récup. Et la jupe que je voulais prévoir, soit patineuse, soit quart de cercle, et ben, ça ne rentre pas. Et donc, j'ai fait bah, un mix encore avec un patron que j'aime. Et voilà, vous aurez vu défiler les photos, vidéos, tout ça, tout ça. J'espère que ça vous a plu pour la partie couture. Et donc, on se retrouve pour les courageux, courageuses, pour la partie 1, 2, 3. Il est temps que je reboive un coup. Pour la partie tricot que je filmerai un autre jour, parce que j'ai encore des petites choses à noter, notamment combien j'ai consommé de laine, parce que j'ai pas pesé ce qui me reste. Donc oui, tu me regardes avec des yeux d'amour. Donc voilà, je vais faire ça, et puis pour celles qui veulent la partie tricot, on se retrouve à la partie tricot, et pour celles qui ne voulaient que la partie couture, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, à tout de suite pour les autres. Recoucou, on se retrouve pour la suite de mes réalisations du mois de février. On va parler évidemment de mes réalisations tricot. Je vais juste faire une petite parenthèse pour parler des boutons que j'ai hérités de ma grand-mère et donc que j'ai pris enfin le temps de trier récemment. Vous l'aurez vu dans ma vidéo, enfin dans le début de ma vidéo couture, j'ai pimpé des boutons donc de ma grand-mère pour les mettre sur ma robe pull, socks et robe Briac, enfin le hack que j'avais fait du t-shirt Briac. Et donc je vais vous montrer un petit peu mes petits trésors de ce que j'ai pu récupérer. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc je vais pas vous faire l'étalage, mais je vais vous montrer vite fait les boîtes. Évidemment, sponsor Action, mais de ma carte bleue, bien sûr, ils m'ont pas payé pour. Et puis, vu le prix, franchement, c'est donné. Donc, je mets sur pause, j'attrape tout ça et je vous montre ce que j'ai récupéré et comment je les ai rangés. Alors, en fait, c'est plusieurs boîtes comme ceci que vous connaissez, qui sont vendues, il me semble, par 3 ou 4, je crois que c'est 4. Des boîtes donc transparentes avec plusieurs compartiments. Et j'ai trouvé cette boîte. Alors, est-ce qu'il y a marqué? Ouais. Je vous montre. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et ça, et ben dedans, j'ai réussi à mettre plusieurs boîtes comme ça. Je ne sais même plus combien, j'ai pas regardé. Alors, on va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quand même. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà. Et c'est pile poil la bonne taille. De toute façon, vous voyez bien. Hein. Voilà. Là, il manquerait pas grand-chose pour pouvoir mettre une 11e, mais bon, hein, ça va. Donc, je remets sur pause, je vous en sors une ou deux pour vous montrer, histoire que ça fasse pas trop de bruit de gling-gling-gling. Hein, je vous économise, je suis sympa. Alors, j'ai posé ça derrière, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Donc, j'ai toute une série de noirs. Bon, rien de bien extraordinaire. Ici, c'est dans les tons taupe et gris. J'aime beaucoup ceux-là, là, qui ont un petit côté vintage. Là, c'est la série des rouges. Là, j'ai mis les bleus et les roses. Je vous montre celle-là en dernier.
Une autre série de bleus avec ces gros là, j'étais obligée de séparer, d'en mettre là parce qu'ils sont trop balèzes, mais ceux-là j'aimerais bien les utiliser, j'avoue. Après il y en a d'autres hein, ici, il y en a des avec reflets et tout. Hop. Après ici, c'est une série gris et vert. Et alors ceux-là, mamma mia, ils sont trop beaux. Je vais en sortir un pour vous montrer. Je sais même pas si, ouais, si vous voyez. Ils sont un peu comme nacrés. Il y a une partie donc vert et une partie un peu coquillage, je sais pas. Voilà. Est-ce que je peux en prendre un dans notre... pas des motifs non plus, mais bon, vous voyez. Donc j'avoue que ceux-là, bon après il y en a d'autres comme ça, pareil, on voit pas, mais c'est nacré, avec des couleurs un peu, ouais, ceux-là sont super beaux aussi. Bon bref, il y en a plein, pareil, ceux-ci là. Voilà, bon j'ai essayé de faire par couleur, par côté nacré, pas nacré, tiens, il y a ceux-là aussi qui sont tous sympas, dans les coups un peu ambre. Ouais. Alors, pour le coup, au départ, ils payaient pas de mine. Hein. Je les ai lavés et c'est là qu'ils ont révélé toute leur beauté, j'ai envie de dire. Bon, là, j'ai toute une série, pareil, de blancs nacrés à coquillages ou autres. Bon, je vais pas tout sortir. Hein. Là, c'est plus dans les tons beige-jaune. Pareil, ici, il y a des jaunes un peu nacrés. Là, c'est des plutôt blancs, mais blancs ivoire, quoi. Voilà, et je vous montre ça, la petite dernière, c'est ici. Alors ça, pareil, ça fait très rétro, j'aime beaucoup. Et ce que je voulais vous montrer, c'est... ceci. Voilà, vous voyez ce côté un peu ambre brillant, je ne sais pas comment expliquer. Ce que j'ai mis sur ma robe, donc que vous avez vu précédemment, c'était des comme ça, mais un peu plus petits. Mais le côté un peu brillant à reflet, là, il était trop rayé pour qu'on le voit. Donc, on voyait plus... ouais, là, vous voyez bien les couleurs. Donc, j'ai sauvé les grands. J'en ai 4, je crois. Ouais. J'ai sauvé les grands. Ouais. Bon, là, on voit pas bien. Il est plus dans la lumière, celui-là, mais ouais. Donc, j'en ai sauvé 4 grands comme ça, mais les 4... plus petits, bah ils étaient voilà, trop rusés, ça faisait un film opaque dessus, bah écoutez, je les ai recyclés, un petit coup de vernis à ongles, un coup de bombe, comment ça s'appelle, de la bombe satinée de chez Odif, j'avais gagné ça lors d'un de mes tout premiers concours sur Instagram, ça date, il y avait, je me rappelle, une bombe de colle permanente, une bombe donc de satinée, là, de la bombe satinée, et une troisième, qu'est-ce que c'était? Ah si, non, colle, un truc genre fabulon pour rigidifier un peu le tissu, pour pouvoir le coudre, et puis après ça part au lavage. Bon, je range tout ce bins, ah oui, puis je ne vous ai pas montré la petite dernière, du coup... c'est plus des petits boutons métal, donc bon là il y en a quelques-uns qui sont pas foufou, mais que j'ai voulu garder quand même. Après il y a toute cette série là, et puis une série, bon là il y a quelques boutons de jean, voilà, qui étaient déjà emballés, et puis bon, après des petits boutons comme ça là, hop, sur petit pied comme ça. Bon bref, on verra bien. En tout cas, j'ai pris le temps de faire ça. J'étais pas prête au départ, je vous l'ai dit. Et puis finalement, maintenant, je suis contente de l'avoir fait. Je pensais pas trouver autant de petits trésors. Donc, je vais remettre tout ça dans leur petite boîte et puis les chérir et les réutiliser dès que je peux pour garder un petit souvenir d'elles avec moi. Je vous remets sur pause et puis on va attaquer la partie tricot. Alors, on va commencer la partie tricot par des chaussettes. Oui, oui, vous savez, je suis fan des chaussettes, que ce soit cousu main ou cette fois-ci tricoté main. Et on va commencer par le patron des chaussettes exothermiques. Alors, j'ai fait une impression avec mon imprimante un peu fatiguée, j'avais plus de couleur, donc je l'ai fait en... j'ai essayé de faire un noir et blanc, c'est pas terrible, mais bon, vous verrez avec des petites dentelles. Et puis, je vous ferai une petite incruste là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce sont donc les chaussettes exothermiques de Lisandre Ourdin.
Vous la connaissez sûrement parce que c'est une créatrice de patron. Et moi, en tout cas, comme je suis une bébé tricoteuse et que ça fait pas longtemps, je l'ai surtout découvert grâce au calme mystère des chaussettes qu'elle a proposées novembre-décembre. Et donc, c'est grâce à ça que je me suis lancée. J'avais donc testé en amont, comme je vous l'avais dit, le patron des chaussettes à la vanille qui était proposé en tuto vidéo par Lucie de 3615 Kumquat. Donc là, c'est vraiment grâce à elle que j'ai mis le pied à l'étrier. Et ça s'est confirmé donc quand j'ai fait le cale des chaussettes de Lisandre Ourdin. Et comme j'ai trouvé que c'était super bien expliqué, etc., je l'ai suivi directement sur YouTube. Enfin, je suis les deux filles maintenant sur YouTube pour la partie tricot. Et bah écoutez, en décembre, bonne surprise, elle a fait un concours des 5000 abonnés. Et je lui ai mis un mot pour la remercier de toutes ses vidéos et justement les tutos pour les chaussettes, parce que franchement, sans ça, est-ce que j'aurais réussi à me lancer? Je ne pense pas, parce que c'est quand même vraiment technique. Et moi, je partais vraiment du niveau zéro. J'ai appris, grâce à des tutos, comment on fait des mailles en droit envers, parce que j'ai eu appris ça, mais quand j'étais ado, donc je m'en rappelais plus. Et puis, j'ai fait qu'une fois, quoi. Enfin, voilà, ça, c'est pas comme si je m'étais entraînée suffisamment longtemps. Donc, je suis contente qu'il y ait autant de support sur Internet pour pouvoir se lancer. Donc, vraiment, si vous passez par là, Lucie de 3615 Kumquat et Lisandre Ourdin, franchement, je vous fais plein de gros bisous. Continuez comme ça, les filles, parce que vraiment, déjà, regardez vos projets, etc., vous écoutez, c'est un vrai régal. Et là, vos tutos, ils étaient vraiment géniaux. Donc, de toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Je les ai mis sur mes précédentes vidéos, si vous retournez voir un peu mes tout débuts en tricot. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, si vous avez peur de démarrer, allez-y, c'est vraiment, c'est du pas à pas, vous tricotez avec elle, quoi. Alors, j'en reviens à ce concours des 5000 abonnés, je lui mets un message pour la remercier, etc., pour ce calme mystère et que je me sois lancée, et j'ai gagné un des lots du concours. Donc j'ai gagné le patron là, donc les chaussettes exothermiques, j'ai gagné la laine que je vais vous présenter. Et bon, comme Lisandre était franchement débordée dans cette période-là, il se trouve que voilà, j'ai dû attendre fin janvier pour récupérer mon lot, mais c'est pas grave, je ne lui en veux pas. Mais pour me remercier de ma patience, on va dire, elle m'a aussi offert un autre patron dont je vous parle après. Parenthèse fermée, on va y arriver. Donc, je les ai faits en taille 60, puisqu'il y a trois tailles S, M, L. J'allais dire, je ne me rappelle plus, bah, c'est écrit là. S, c'est 52 mailles, M, 56 et L, 60. Il faut des aiguilles circulaires 2,275, 50 g de laine à chaussettes dans le coloris A et 25 g de mohair et soie du même coloris. Et pour le contrastant, 20 g de laine à chaussettes coloris B et 10 g de mohair et soie de ce même coloris contrastant. Moi, je n'ai pas fait tout à fait comme indiqué parce que j'avais pas tout, mais je vais vous montrer. J'ai quand même fait avec les aiguilles circulaires 2,75, puisque vous savez, j'ai à la fois le kit mini shorties de chez Xiaogu, la petite pochette rouge, et puis pour mon anniversaire, donc ça c'était plus pour Noël, et pour mon anniversaire, j'ai eu la grosse pochette, le kit complet, pochette noire avec le ruban rouge, là de chez Xiaogu aussi, avec toutes les aiguilles de 2 et quelques à 10. Voilà. Alors. Les laines. Tac. Et tac. Donc, ce que j'ai eu dans le concours, c'est cette laine-là. Donc, je sais que c'est une laine qu'elle apprécie vraiment beaucoup, Lisandre. Elle fait beaucoup de chaussettes avec cette marque et référence de laine. Donc, c'est la Arweta de Phil Colana. Dans le coloris 977, donc c'est un beige écru, je ne sais pas trop comment vous dire d'autre. Et 210, non, 50 grammes de 110 mètres. Et puis je vais lire l'étiquette à l'endroit, ce sera plus facile. Là là, 20% nylon et 80 grammes laine vierge. Voilà pour celle-ci. Donc associée avec sa petite copine que j'ai reçue aussi dans le lot pour le concours. Et donc là, c'est de la Tilia de Phil Colana, 70% kid mohair, 30% soie. Et c'est 25 grammes de 110 mètres. Voilà, alors avec beaucoup de petits poils qui m'a valu de me gratter le nez comme c'est pas permis avec des petits trucs comme ça. Je pense que je suis très chatouilleuse et très sensible.
Là, déjà, rien que de l'avoir tripoté, ça me gratte. Donc, je vais essayer de pas trop me chatouiller la figure et la mettre loin de moi comme ça. Donc, voilà pour la laine. Et moi, en contrastant, j'avais pas grand-chose qui s'associait parce que j'ai beaucoup de laine dans les tons un peu comme ça, prune. Je crois que ça allait pas des masses avec. Mais il me restait un restant de laine de dont j'ai fait la paire de chaussettes pour mon chéri pour la Saint-Valentin. C'est de la Regia Premium Merino Yak Color qui était donc 100 grammes, 400 mètres, tac tac tac. Et donc 58% laine, 28% polyamide et 14% yak. Voilà maintenant ce qui me reste. À l'époque, il me restait 17. 17,72 grammes, et là il me reste plus que je me il me reste 5,18 grammes, donc j'ai utilisé 12,52 grammes, c'était prévu 20. Bon, bah, je tricote série en même temps, hein. Donc voilà. Sinon, pareil pour les autres laines coloris A, là où il en fallait 50 grammes, j'ai utilisé en gros 40 grammes. Pour le mohair et soie, il fallait 25 grammes, j'ai utilisé 21 grammes. Bon, parce que je vous passe les petites virgules. Et puis donc, du coup, là où il fallait 20 grammes de contrastant, on va dire que j'ai utilisé 13 grammes. Ok. Et voilà ce que ça donne, parce que c'est pas tout ça, hein. Je parle. Donc la première, la voici. Donc elle est plutôt dans un dégradé de orange-marron avec un ou deux petits détails verts. Et l'autre, du coup, vu que c'est de l'eau de Torreyan, on va dire, ça fait ça. Hop, hop, hop. C'était pas complètement des rayures, mais ça faisait plus des amas de couleurs qui se changent tout seul. Donc voilà ce que ça donne. Alors elle est un petit peu trop longue pour moi, parce que comme une nouille. Au lieu de me dire alors combien je fais de longueur de pied, déjà j'ai un doute. Longueur 23, oui voilà, 23 cm, et moi j'ai fait 24 moins je sais plus combien elle dit de centimètres pour attaquer la partie talon. Pourquoi j'ai fait 24 moins cette partie-là au lieu de faire 23 moins machin? Bon bah forcément déjà j'ai 1 cm de trop. Comme c'est en 2,75, c'est forcément un peu plus grand. Mon tricot habituel de chaussettes sur du 2,25 ou du 2,5 à la limite, mais c'est surtout sur du 2,25 je pense que je serais plus à l'aise. Tout ça pour dire que sinon j'ai fait ces magnifiques petites dentelles, qu'il y a beaucoup de petits poils comme je vous ai dit qui me chatouillaient à mort. Donc talon renforcé, c'est toe up le montage, donc montage à la turque ici. Donc vous faites votre pointe, vous changez de. Donc normalement, voilà, j'aurais dû ici doubler aussi en mohair et soie, mais comme j'avais pas, je me suis dit que j'allais faire les points de la pointe et le talon en contrastant, et puis sans mohair et soie, j'allais pas racheter encore de la laine. Faut pas abuser. Donc j'ai fait la construction, etc. Après, vous faites le talon, vous montez un peu ici, puis vous avez un petit détail pour pouvoir faire, je vais pas expliquer comment, mais vous avez un petit détail de points à faire pour pouvoir après vous retrouver avec ces petites dents là, sachant qu'après vous finissez par replier, faire une couture invisible à l'intérieur. Et ma foi, bah écoutez, je suis assez contente de moi. Bon, je vais retourner comme ça. Voilà, je trouve que c'est propre. Il y a juste un endroit où j'ai une dentelle que j'ai ratée. Mon chéri a eu la bonne idée de me causer à ce moment-là. J'ai dit non, attends, c'est pas le moment. Et là, après, je savais plus ce que j'avais fait. Ah oui, tiens, c'est là. Et donc, il me manque un petit trou ici. Voilà. Franchement. Je dis, non, c'est pas le moment, là. Tu me diras ça après. Et puis, bah non, c'était sûrement urgent. Non, en vrai, ça l'était pas. Mais bon, il ne pouvait pas deviner que c'était pas le moment pour moi. Mais bon. En vrai, qui va aller voir qu'il me manque un petit trou, là. Bon. Donc, voilà pour la première. Et la deuxième, elle est plus dans les tons verts, du coup. Je vous montre dans ce sens-là, je pourrais mettre pareil dans ce sens-là. Par contre, je ne vais pas trop faire voler en fait, parce que les petits poils là, ça me chatouille. Donc elle est plus verte avec des petits rappels de orange, voilà. Mais franchement, moi ça ne me dérange pas. En plus, ce sera dans la chaussure, donc ça me dérangera encore moins. Et à vrai dire, ce ne sera même pas dans la chaussure, parce que ce sera des chaussettes. Elle l'a mis, je crois. Ouais, c'est ça.
Top confort car nos pieds le méritent bien, de la douceur lors des réunions Zoom et des journées de télétravail. Parce qu'en gros, elle a prévu ces chaussettes-là, pas pour qu'on les porte dans nos chaussures, mais pour qu'on soit tranquille à la maison, soit en télétravail ou autre, mais pour avoir chaud aux pieds. Donc, ce sera un petit peu mes petites chaussettes de week-end, ou pour être tranquille dans le canapé, j'en sais rien, tranquille à tricoter. Pour les couturières, j'ai pas pensé à vous dire ce que je portais aujourd'hui. C'est le t-shirt, alors je sais pas si vous allez voir, ouais. Avec un petit détail ici, c'est le Madame Marlène, je crois, de Studio Schnitreff. Vous savez, j'adore cette marque. En dessous, je porte ma brassière Tammy en version doublée Punta di Milano et Jersey. Et puis le reste, c'est du commerce, donc on s'en fiche. Et puis là, je fais de la petite promo pour Amélie du compte Amélie des Fils, mais surtout à Fun Bijoux pour les bijoux, que j'ai acheté il y a déjà moultas, comme dirait Emma de Friendly Couture. Bon, j'en reviens à mes chaussettes. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je bois un petit coup pendant que je relis mes notes. Oui, donc patron en trois tailles, ça je vous ai dit. Comme c'est la, comme je suis team gros mollet, moi j'ai fait en taille L. Mais à vrai dire, je trouve que c'est un peu large sur cette partie. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis? Un peu large au creux du pied. Ouais. Par là, quoi, en fait, on va dire. Ici, ça me va bien. Parce que là, comme je vous dis, moi j'ai des gros mollets, donc j'ai besoin d'avoir cette largeur-là. Ici, ça va à peu près, mais j'ai un moment de flottement, je pense, par ici, là où le pied est un peu plus fin. Bon, comme c'est des chaussettes, entre guillemets, pour traîner, c'est pas gênant, mais il faudrait que je trouve quand même quelle est la bonne version pour moi. Est-ce qu'il faut que je fasse, par exemple, une taille plus fine, enfin, moyenne, par exemple, tout long ici, qu'après je fasse des... comment on appelle ça? Des augmentations... sur le gousset pour pouvoir arriver après sur la taille supérieure à cet endroit là et remonter, mais comme j'ai peur que ce soit ici, que ce soit large, moi ce que j'ai besoin c'est du large là, enfin, et pareil dans le coup de pied qui est un peu fort, je sais pas trop. Bref, si vous avez des astuces ou quoi, n'hésitez pas à me dire, j'avoue que je tâtonne encore. Et puis bon, pour l'instant en gros j'ai une paire qui me va bien, voire un peu serrée, c'est ma toute première paire de chaussettes à la vanille violette et fuchsia. La paire du cal de Lysandre, je la mets plus pour traîner à la maison, parce que là pour le coup je les ai fait en 2,5, mais à l'époque je tricotais, alors pas spécialement lâche, mais je les ai fait en magic loop et avec mes aiguilles, vous savez, Knit Pro et Katia, et je trouve que ça glissait pas assez, donc j'étais obligée de pas trop serrer, sinon j'arrivais pas à tricoter tout simplement, alors que là je fais avec les chabous, ça glisse, c'est trop cool. Alors à part ça, on fait donc montage à la turque pour la pointe, après on fait des rangs raccourcis à l'allemande pour quel endroit, je ne sais même plus, si ça doit être pour le talon je pense, sachant que ce jeu de dentelle là, je suis contente parce que ben j'ai réussi à pas me foirer. Hormis, je vous dis, l'endroit où mon chéri m'a parlé, mais sinon, je suis contente. Donc, motif jeté et surjet simple endroit. Donc, pareil, quand je ne connais pas, ben, je vais chercher. Donc là, je sais que surjet simple endroit, je ne connaissais pas. Donc, j'ai été voir le tuto vidéo de Détricotez-moi. Pour le montage à la turque, je suis retournée voir le tuto vidéo de Lucie de 3615 Kumquat pour la chaussette à la vanille. Comme ça, je suis sûre de ne pas me gourer. Pour le jeter, ben, je suis retournée voir la partie sur la vidéo de Lysandre sur le cal pour voir que je ne me trompe pas. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, paf paf, motif, oui non ça c'est bon, j'ai jeté et deux mailles ensemble, AID, AIG, oui bon ça c'est les, comment on va dire ça, les mots, enfin les, ah, les instructions de tricot quoi. Et oui, je pense à un truc à rien à voir, mais je remercie l'abonné qui m'avait dit un jour, quand j'avais dit que j'avais un peu galéré, je pense, à mesurer mon pied, m'avait dit, mesure ton avant-bras, donc de... Ouais, bon, je vais plutôt faire là, sans la montre, de là à là, enfin, plutôt comme ça, là, hop, ce sera la bonne mesure de ton pied.
Et donc j'ai vérifié cette mesure et pareil en posant, parce que avant j'avais mis mon mètre comme ça avec mon pied un peu en vrac pour mesurer. Bon, cette fois-là je me suis dit soit un peu plus maline, j'ai posé le mètre par terre et j'ai posé mon pied dessus. C'était quand même mieux parce que c'est quand j'ai vu que je m'étais trompée pour la chaussette de mon chéri qui avait un... C'était un peu trop court, je me suis dit c'est quand même bizarre. Et en effet, selon comment il positionnait son pied, ça prenait 3 cm. Donc j'ai fait ces comparaisons et en effet, donc l'avant-bras ou en posant le pied comme ça sur le mètre, c'est mieux. Tac, 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 à part ça, bon, pas grand-chose à dire. Non, tout ça, alors ça s'est bien passé et j'en suis contente parce que, à vrai dire, jusque-là, je faisais tout avec des tutos vidéo. Et là, je me suis dit, vas-y, lance-toi sur un patron de papier et puis tu verras bien si tu y arrives ou pas. Donc, je suis contente d'avoir réussi ce challenge. Bon, après, en même temps, elle explique bien les choses. Donc, voilà, c'est que mérité. Mais je ne savais pas si moi, j'étais en mesure d'y arriver. Du coup, j'ai eu moins peur pour la prochaine que je suis en train de faire en ce moment. Mais avant ça, je vais vous parler de mon encours. Hop, hop, hop. Mon encours au long cours, j'ai envie de dire. Je vous prends le patron. Il s'agit, mais ça je vous l'ai montré déjà parce que je vous avais dit que ce serait mon prochain projet. C'est le super cozy sweater de You Need to Learn. C'est Noémie et je tiens déjà à la remercier parce qu'elle est hyper réactive quand je pose une question par mail parce qu'elle vous met son mail, enfin, toutes ses coordonnées sur le patron et puis patron gratuit d'ailleurs. Je tiens à le souligner aussi. Donc bref, c'est mon tout premier pull, donc des fois je dois sûrement peut-être poser des questions bêtes. Bon, pour l'instant, j'en ai pas posé beaucoup, hein. J'ai peut-être... Avant de me lancer, j'avais posé une question pour savoir si le matos que je comptais acheter était cohérent par rapport à ça. Donc ça, je suis contente qu'elle m'ait répondu pour me dire que c'était bon, je partais dans le bon sens. Ça aurait été dommage sinon d'investir... pour des choses qui m'auraient pas servi. Ensuite, bah là, récemment, je lui ai écrit pour savoir, pour être sûre d'avoir bien compris comment on sépare le corps des manches. Donc voilà, mais là, je m'en suis arrêtée là, en fait, pour l'instant. J'ai commencé, mais j'ai pas continué. Parce que là, ce week-end, même si là, j'ai l'air d'être réveillée, en vrai, je me suis vraiment pimpée de ouf pour vous, pour que vous n'ayez pas ma tête de trop fatiguée. Parce que je suis vraiment éclatée. Bref, c'est pas grave, ça va bien se passer. La reprise est difficile. Alors, comment je vais vous montrer ça sans tout défaire? C'est mon premier pull, hein, donc j'ai peur de faire tout tomber. C'est où le reste? Non, ça a l'air d'aller. Alors, je vous montre, donc on fait... ça commence par le haut vers le bas. Donc voilà le col. Moi, je me suis permise de changer ici les... Comment on appelle ça ? Le point pour faire les manches raglans. Parce que je ne sais pas. Ou alors, c'est celui qui est indiqué sur le patron. Mais j'étais pas sûre de comprendre. Ça m'a gonflé. Donc, je me suis dit que j'allais faire comme pour les chaussettes de Lysandre. Et puis, point. Voilà. Et ça donne ça. Donc, j'espère, Noémie, si tu passes par là, que ça ne te choque pas et que c'est... c'est peut-être pas complètement ça. Ouais, ça fait des petits trous. Donc peut-être que c'est pas ça. Mais là, elle l'a fait en Brushed Alpaca... Attendez, comment ça s'appelle déjà? Brushed Alpaca Silk de Drops. Et moi, j'ai oublié de vous dire que... Donc, au départ... Commençons par le commencement, Flavie. Franchement, on voit que je suis pas encore à l'aise avec le tricot. Donc j'avais acheté de quoi faire le pull, donc dans la laine recommandée. On voit d'ailleurs qu'elle est toute zigouigoui parce que j'ai fait plusieurs fois l'échantillon et que j'ai pas réussi. Vraiment, je trouve qu'elle n'est pas facile à manipuler parce qu'en fait, sur le fil, là, vous voyez, il y a beaucoup de petits poils-poils, là. Encore là, j'ai envie de dire, j'ai tellement trituré qu'il doit s'être à moitié aggloméré, mais en vrai, sinon, vous voyez, c'est très pelucheux. Je trouvais qu'on avait du mal à discerner le fil. Quand je voulais recompter les mailles, je galérais. Et quand j'ai essayé de faire l'échantillon en rond, bref, c'était une catastrophe. Et puis, j'arrivais pas, même en augmentant de taille, j'arrivais pas au bon échantillon. Du coup, je suis passée sur de la Drops Air Coloris 14.
Donc vous voyez déjà, hop, le fil, il est soufflé, il est hyper large par rapport à, j'aurais pas dû remettre si loin, par rapport à ce fil tout fin. Bon là qui est tout entortillé, mais en vrai, vous voyez la différence. Donc là, ça faisait trop à jourer, j'aimais. Donc j'ai fait un demi-échantillon parce que j'avais pas envie de perdre trop de laine. Hein. C'est mon premier échantillon en rond. Donc là, pareil pour l'échantillon en rond, j'ai pas noté la source carnet, là c'est sur l'autre. J'essaie de vous mettre ici la vidéo de qui j'ai suivi. Mais bon, là c'est qu'un en cours, hein. Vous aurez le blabla plus détaillé quand j'aurai avancé. Bon, ici, vous voyez, j'ai fermé avec une lotte laine parce que comme une nouille, quand j'ai eu fini ce petit échantillon, je me suis dit, oh chouette, allez hop, j'enlève tout de l'aiguille. Et là, je me suis dit, t'es con quoi, t'as même pas fermé ici. Tout le truc va se détricoter quand tu vas le laver. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai passé un fil dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Et je trouvais que c'était du coup beaucoup plus régulier. Mais j'ai dû augmenter de taille. Normalement, il faut tricoter en aiguille 4. Et moi, pour arriver à ça, pour que ça fasse 10 cm de large, je suis en aiguille 5. Et ben, ça me fait trop bizarre. Hein. Moi qui ai l'habitude, je vous dis, pour les chaussettes et autres, de tricoter en 2,25, à la limite en 2,5, puis là dernièrement en 2,75, tricoter en 5, là, avec des grosses aiguilles comme ça, là, ça me fait trop bizarre. Donc, je vais essayer de le remettre sans que tout tombe, pour vous montrer ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble. La particularité, c'est que sur les manches, hop, on va prendre celle que j'ai. Donc, séparé, j'ai mis, hop, ici, là, et tout. Et vous avez une torsade comme ça sur la manche. Bon, écoutez, il y a plein de choses, c'est sûrement pas parfait, mais en vrai, parce que j'ai vu que, ouais, je crois que c'est le long des torsades, là, j'ai un endroit, je trouve que ça fait comme une, pas une échelle, mais c'est un peu plus large, par endroit, comme ça, là. Bon, je me dis que ça va peut-être se lisser quand je l'aurai lavé. Pareil, ici, je ne sais pas si c'est le dos ou le devant d'ailleurs. Ici, ça fait comme une échelle. Et puis après, là, pareil, un petit peu à deux endroits. Puis après, ça se resserre. Écoutez, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Hop là. Mais, en tout cas, je n'aurais jamais cru arriver jusque-là sur un pull. Donc déjà, je suis ravie. Bon, à force de remuer la laine et tout à l'heure celle qui a des petits fils, des petits poils là. Allez, je vous montre mon encours de que je viens de lancer. Ah, ça me chatouille trop. Que j'ai lancé hier soir. Et donc, comme je vous dis, je suis contente. Les patrons de Lysandre, j'arrive à les suivre. Et comme elle a été super sympa de m'offrir un autre patron, parce que, pour me remercier de ma patience, entre guillemets. Donc voilà, c'est les chaussettes stickers, alors je dirais plus soquettes en vrai, qui sont disponibles en trois tailles, donc S 60 mailles, M 64 mailles et L 68 mailles. Team gros mollet, je vous l'ai dit, moi je l'ai fait en, enfin même team grosse cheville, hein. Je l'ai fait en 68 mailles, aiguille 2,5. Il faut 50 g de laine principale et 10 g de laine contrastante. Et je vous montre ce que j'ai choisi. Ça va lui faire plaisir si elle passe par là, parce qu'elle adore les couleurs un peu punchy, un peu, comment on va dire, pas fluo, mais assez, ouais, assez coloré. Et voilà, regarde. J'ai pensé à toi, vraiment, sur ce choix de couleur. J'ai vraiment pensé à toi. Bon. Je vous laisse le beau décor tout en bordel. Là, je vois sur le retour, ça fait peur. Je vais peut-être ranger celui-là, ça fera moins pire. Comme ça, là. Ouais. Comme ça, on voit que des laines, c'est pas si pire. Donc, voilà les couleurs. Alors, est-ce que j'ai gardé le papier? Gnignigné. Où j'ai mis le papier? Alors, celle-là, je le marquerai, mais c'est Regia Premium Bambou. Parce que je crois que le papier, je l'ai laissé dans la chambre. Regia Premium Bambou, la couleur, je ne sais plus, mais il n'y en a qu'une de cette couleur-là dans cette référence, donc comme ça, vous ne serez pas perdu. Et celle-là, c'est la Katia United Socks Coloris 15 Superwash que j'ai utilisé pour faire le contrastant donc de mes chaussettes violettes, les... comment on appelle ça?
des chaussettes à la vanille et que j'ai fini par utiliser aussi pour que j'en avais racheté une pour finir la chaussette du cal de Lysandre. Je vais y arriver. Donc je me suis dit que comme j'avais un gros reste d'une vingtaine de grammes, je dis allez go. En plus je trouve que ça va bien ensemble. Ça c'est un genre de jaune vert anis, je sais pas comment dire, mais un peu pâle quand même. Bah, ça va bien avec ma tenue. Alors que là c'est fuchsia mais qui envoie quoi. On voit bien de toute façon les deux couleurs. Et donc voilà, j'ai pris le modèle avec les petits cœurs. Voilà, donc je me suis dit que ça serait assez printanier. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai commencé à monter ça hier soir. Je m'y suis reprise à 3 fois. C'est pour ça que je vous dis, je suis crevée parce que le début de la pointe là, j'ai fait premier truc, j'ai monté un peu, puis j'ai dit c'est bizarre, il y a un problème sur un des côtés. Ça me faisait comme une grosse échelle. J'ai dit ok, ça va pas, je redéfais, je recommence. Là, je sais plus ce que j'ai foutu, c'était pareil, pas terrible. J'ai dit ok, on refait une troisième fois. Mais voilà, donc il était temps de se reposer. Un truc par contre, c'est que je trouve qu'elle est comme un peu, alors je dirais pas rêche, mais sèche. Sèche et elle a tendance, je trouve, à se dédoubler quand je la tricote. Enfin, il faut faire gaffe de pas passer la pointe de l'aiguille à l'intérieur du fil. Donc on verra ce que ça donne à l'usage, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi facile à tricoter que ça, de ce point de vue-là. Elle est un peu aussi sèche, je dirais, que celle-ci. Voilà. Non, même peut-être plus sèche que celle-là, d'ailleurs. Quand je touche là comme ça. Ouais. Ouais, elle est peut-être plus sèche encore que celle-là. Donc bambou, je sais pas ce que ça donnera, on verra bien. Moi, j'avais pris dans cette gamme-là plusieurs sortes. J'avais pris la cachemire, la soie, yak, alpaga, et puis du coup bambou, pour voir laquelle je préférais, je préférais par exemple tricoter, laquelle je préférais porter, et laquelle tenait mieux au lavage, par exemple, j'en sais rien, on verra un peu les différentes textures et ce que j'en pense. Voilà, donc mon petit en cours, parce que là... J'étais tellement crevée, je me suis dit, je me le remets pas dans mon pull, je vais faire des bêtises. Donc je préférais me tromper sur une chaussette, c'est moins long à détricoter et moins compliqué, vu que je dirais pas que je maîtrise, mais je vois mieux où on va, alors que là, c'est encore un grand pas pour moi. Bon, bah écoutez, sur ce, j'ai déjà blablaté vachement longtemps, donc je vais m'arrêter là, passer au montage pour que vous puissiez voir... cet épisode pas trop tard dans le mois. Alors je vous fais plein de gros bisous. Continuez ce que vous êtes en train de faire, hein, sans moi cette fois-ci. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.